Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Génération Zéro. Alors aujourd'hui on va aller à Austerwijk qui se trouve, c'est la mission que je suis qui est dans Lila. Remarque, ouais, je ferais mieux de faire la mission de Lila. Usine à gaz, la région forestière. Attendez. La banlieue d'Austerwijk. Usine à gaz. Attendez. Je fais un truc tout simple. C'est. Objet volant. Ouais, bah non, c'est ça. Lila. Pourquoi il met Austerwijk du coup? Vu que c'est à Lila que ça se passe. Bon, c'est pas grave. Objet volant, bah on y va. Hein. On va aller là-bas. Ok. Du coup. Ok. Bon, très bien. Alors. C'est pas loin. Faut juste que je suive la route. Ouais, ça devrait être bon. C'est un repère là. Ça devrait être bon. Je vais y aller en vélo. Alors, je vais peut-être pas allumer la lumière hein, parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Donc cette mission-là, je l'avais faite. Et Il y avait un robot, un tank, qui était juste à côté de la maison. Et la maison, quand je suis rentré, était totalement vide. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est là, maintenant que la mission est activée, normalement, il devrait avoir des meubles et tout. Oh merde. Putain, ils m'ont vu. Hein. Ils m'ont vu de loin. Ah bah le v'là. Vous allez voir, je vais devoir rentrer à l'intérieur de la maison sans qu'il me voie. Alors. Punaise. Si je vais le prendre, ça pourrait m'être utile.
Alors j'ai le calibre 50. Une série de meurtres sur la couverture. 14 personnes tuées la nuit dernière autour d'Austerwick. Toute la région de... Ok, ouais, ça c'est pour... Hop, des trousses de soins. Voilà. Un Mauler PP niveau 2. Ouais. Quoi? Attendez. Ah oui, bah oui, vu que j'ai un emplacement de libre, oui, c'est vrai que... Alors par contre, ça m'embête un peu que les chasseurs soient là, en fait. Ça va être un petit peu compliqué s'ils sont dans le coin. Ja, god afton, herr Blom. Det här var kriminalinspektör Mats Hansson på Österviks polisstation. Vi har tagit emot en uppgift om ett flygande objekt över Lillån nu ikväll. Det har dock inte inkommit några andra uppgifter som bekräftar detta, inkluderat från försvaret som du säkert känner till har en omfattande närvaro inklusive radar här på Östertorn. Vi är tacksamma om du slutar ringa oss om detta och föreslår att du försöker sova istället. Tack och adjö. Ja, god afton, herr Blom. Det här var kriminalinspektör Mats Hansson på Österviks polisstation. Vi har tagit emot en uppgift om ett flygande objekt över Lillån nu ikväll. Det har dock inte inkommit några andra uppgifter som bekräftar detta, inkluderat från försvaret som du säkert känner till har en omfattande närvaro inklusive radar här på Östertorn. Vi är tacksamma om du slutar ringa oss om detta och föreslår att du försöker sova istället. Tack och adjö. On peut pas éteindre les lumières qui sont là comme ça, là, c'est chiant. Je vais y aller en rampant. Oh punaise. Dites-moi que la porte est ouverte de mon côté. Merde. Attendez. Change de sens, s'il te plaît. J'ai peur.
Ouf. Donc, faut que j'aille là-bas, d'accord. Pour fusil à pompe 2, chasseur Mauser de niveau 3. Il faut y aller mollo. Attendez, cette maison là, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Ça m'intrigue avec les échelles et les planches. Attendez, là et là. Coffre-fort à l'église et une petite maison, tiens donc. Attendez. Attendez. C'est où ça? Osterwirk. Et ça c'est Budwagen. Osterwirk, Budwagen. Osterwick. Je crois que c'est là, attendez. Là. Attendez. Là, il y a la... C'est ça, hein. C'est Osterwick, donc c'est ici. Donc... Là, il y a la zone portuaire, ouais, voilà. Donc c'est ici. Ah voilà. Donc c'est ce bâtiment qui est là. C'est là où j'étais tout à l'heure. J'ai fouillé. Et là, il y a un autre truc ici. Ici. Et à l'église, elle est là. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Peut-être que là, c'est un refuge, hein, la maison là. Maison avec un coffre. Ouais, faudrait voir. J'ai bien fait de venir ici. Faudrait que je fasse attention aux cartes, hein, quand il y en a et tout. Tiens, c'est quoi ce textile?
Ah. Alors, fusil de chasse Mauser. Je vais l'abandonner. Fusil de chasse Mauser de niveau 3. Hein. Mauser de niveau 3, donc oui. Allez, on reprend. Ah, la maison est par là, ok. Robot ici, faut faire attention. Oh merde, la porte est... Non, les portes sont défoncées. Qu'il y a une arme ici. Alors j'entends des bruits d'ordinateur, je sais pas si c'est un... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est si c'est un robot, bon tant pis, mais c'est peut-être un truc pour, je sais pas moi, pour nous. Non. C'est un drone. C'est la maison qui est là. Merde. Ouvre-toi, bordel! Simple. Hej älskling, du, jag är ledsen men jag behöver jobba ganska sent ikväll igen. Jag antar att du ändå är hos din bror och kollar på matchen, eller hur? Svantes tillstånd... Det är ingen förbättring alls. Och vi tog beslutet idag, till slut. Jag vet att det är rätt sak att göra men jag kan inte hjälpa att känna att jag har svikit honom. Efter allt som hänt. Vi kanske kan prata en liten stund när jag kommer hem. Älskar dig. Ici. Je sortirai par là au cas où, parce que là ça a l'air d'être pas mal fréquenté. Un message transcrit envoyé au bunker de contrôle de Veslan depuis la base navale voisine de Saltolmen indique que la majorité de la population civile vivant dans la région était en train d'y être déplacée en vue de son évacuation. La base est située sur la côte ouest de Nora Saltolmen et semble abriter un complexe souterrain fortifié qui pourrait contenir d'autres réponses sur la disparition des habitants de l'archipel. Quoi? Mais c'est pas du tout ça. Mission terminée, objet volant. Ah bon? Localiser et atteindre l'infrastructure de l'IGA. Bah, apparemment, ouais, c'est fini. C'est bizarre. Allez, je vais me barrer d'ici. Ouf.
Bon. Du coup, prochaine mission, ce sera... Courage, puissance et résilience. Non, ce sera ça, l'usine à gaz. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller au refuge qui est là. Me téléporter, voyage rapide. Voilà. Bon bah écoutez, je vais revoir mon équipement hein, par contre, parce que je m'étais équipé pour affronter des... Voyez, regardez, le calibre 50, le lance-roquettes, mais j'aimerais me rééquiper comme avant, c'est-à-dire plus pour affronter les petits robots et les robots moyens. Oh tiens, j'ai pas vu qu'il y a une caisse là. Plutôt que les gros robots blindés là, parce que bon... clairement, c'est un jeu, c'est pas un jeu pour combattre, hein. C'est vraiment un jeu où on doit plus se faufiler. C'est pas un jeu, c'est pas Doom, quoi, voilà. On n'est pas là pour affronter plus gros que soi, sauf à certains moments, comme la mission Tas de Ferraille, mais c'est tout, quoi. Voilà. Je m'équiperai à chaque mission en conséquence, quoi, même si je les connais pas, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Génération Zéro. Prenez soin de vous et ciao tout le monde!